D'abord, je bois un coup. Pourquoi tu fais ça? Parce que t'es obligé de faire tout ce boucan là. Tu vas fumer dans ma vidéo. Mais non, ça va, je fume pas, c'est bon. Oh, ok, putain. Ça va. Non, là. C'est bon. Oh là là. Vas-y, fume, de toute façon. Bonjour tout le monde. Tout le monde. Ok. Je commence à commencer à me faire chier, à m'énerver. Alors on se décale. Alors on va rien faire du tout. Si. Ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra ça pas. Ça ne pas, non. Ça ne tiendra pas. Si je mets là dans le fond, mais jusqu'à là dans le fond. Ça... Bon les gars, on devait... vous aurez dû bien nous voir hein, normalement. Mais le problème c'est qu'il y a le soleil qui vient juste maintenant quand on fait la vidéo. Du coup, on est obligé de mettre un essuie devant la fenêtre. Et du coup, on nous voit pas bien. Ça fait ouais. Chier parce que vous verrez pas ma belle beauté, mon beau maquillage et tout. Enfin, on va se laver, on va s'essuyer après que c'est celui-là. Ok. Bon les gars, bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est quoi le titre de ma vidéo? Je sais même pas. Tag with my boyfriend, you know ou pas? T'as compris. Tu sais ce que tu dois faire? Non, je sais rien moi du tout. En fait, je vais te poser des questions. Faut répondre aux questions. Allez, vas-y. Hier, il a été manger un osobuco au resto. C'est normal. Donc moi je mange une tartine à la maison. C'est normal, dans un temps il faut se faire plaisir tout seul. Sorry, not sorry. Ah voilà, première question. Depuis quand sommes-nous ensemble? As-tu des poils au cul? Depuis quand on est ensemble? Ça va faire 3 ans. La date exacte. La date exacte? Le janvier? Non. Décembre? Non. Septembre, octobre, novembre, décembre? Bébé. Au mois de mai, on s'est mis ensemble. Non. Mais bébé, moi, je trouve qu'on ne voit pas assez bien. Si, on voit bien, t'inquiète pas. On s'est mis ensemble pour la Saint-Valentin. C'est quoi la Saint-Valentin? La Saint-Valentin, c'est le 14 février. Eh ben, on s'est pas mis ensemble pour le 14 février, c'est raté. On était avant. Non. Caché. Caché. Mais ensemble. Mais la date officielle. Le 14 février. Mais non. Le 8? Le 15. Oui. Ça va bien. Putain, j'ai dû lui dire la réponse. Non, je savais bien le 15. Ok. C'était bon. Juste pour voir en plus, si tu savais vraiment quand est-ce qu'on était ensemble, tu vois. Tu étais vraiment trop con. Hein. Vraiment trop con. Alors. Vraiment trop con. Question numéro 2. Qui a fait le premier pas? Moi. C'est lui. Ah, il me courait après de ouf. On va pas fumer dans la vidéo. Moi, je m'en foutais de lui. Après. Je me rappelle, il me faisait tout le temps des compliments. C'est normal. Il m'a invité à boire un verre et tout. Tu te rappelles? Ouais, il faudrait un petit peu que tu me rendes de l'argent. Donc c'est lui qui a fait le premier pas. Question numéro 3. Quelle a été ta première impression sur moi? Ça je peux pas le dire. Je te trouvais belle, comme t'étais avec un mec, j'ai essayé de t'avoir. J'ai de casser... Non, je rigole. Non, je te trouvais belle. Et... intelligente. Voilà. Surtout j'avais beaucoup de charme. Voilà, surtout que j'étais célibataire, donc... J'étais bonne. Voilà. Voilà, quoi. En fait, il avait juste envie de me ken, mais bon, c'est pas grave. Non, mais ça t'es pas obligé de le dire. Question suivante. Moi je peux dire ma première impression sur toi? Vas-y, dis-moi. T'étais un gros baraki. C'est normal, avec. Voilà quoi. C'était avant. Moi quand je l'ai connu. Mais en fait, on s'est connu depuis longtemps. Ouais, attends! Trop tard. Non, pas trop tard, je te jure que c'est pas trop tard. Et ça va, j'ai pas tué quelqu'un, hein. Donc, moi quand je l'ai rencontré, Raphaël, c'était un baraki de la campagne, les gars, je vous dis pas comment. C'était des barakis en fait. Ouais, t'as raison, c'est ta mère la baraki. Raphaël, il était pas du tout comme ça avant. Il s'habillait que avec des trainings. Il était gros. Ouais, mais des trainings Lacoste. Ouais, mais il était gros. J'étais pas gros. T'étais gros. J'ai des tablettes de chocolat maintenant. Mais t'étais pas gros quand on s'est rencontré? Un petit peu. Un petit peu beaucoup. Un petit peu. Dommage, je pourrais pas mettre une photo genre. Non, pas de photo, t'es malade ou quoi? T'as vu? T'assumes pas ton toi d'avant? C'est pas ça, c'est pas que j'assume, c'est que voilà quoi. T'assumes pas. Voilà quoi, faites du sport. Du sport. J'ai marché beaucoup, J'ai fait de la marche. Donc, en gros, c'était un baraki, mais je le trouvais quand même mignon parce qu'il était quand même beau. En fait, il avait des fossettes. Enfin, il les a toujours. Et toi, tu ressemblais pas à ça. Si, tu vois, il ressemblait pas à ça. Il a des petites fossettes. Vas-y, bouge, me touche pas. Moi, j'avais les cheveux bruns, noirs.
Toi, tu me baraques aussi de la campagne, excuse-moi, hein. Par rapport à maintenant, excuse-moi. J'ai vu que t'étais la sœur à Camini, quoi. Alors, question suivante. Avez-vous des traditions? C'est quoi des traditions? Bah non, on n'a pas de traditions. C'est quoi des traditions? Tradition, tradition... Ouais, je suis sicilien, mais j'ai pas de tradition. En fait, ça n'a rien à voir, je suis sicilien. Mais pourquoi je dis ça, moi, en fait? Ça n'a aucun rapport. Non, on n'a pas de tradition. Question suivante. Êtes-vous parti en vacances? Si oui, où? Ensemble, on est... Si, on est parti en vacances! C'est pas des vacances! Si, on a été à Ouijimon! C'est pas des vacances! Si, on est parti à Ouijimon pendant une semaine. Je m'en fous, c'était des vacances pour moi parce qu'on a fait du camping, il y avait la piscine, mini-golf, pour moi c'était des vacances, ok? Ok, d'accord. Il faisait chaud, c'était bien, il y avait la piscine et tout, les toboggans et tout. C'était des vacances pour moi. Il y avait trop de mecs pour moi, mais bon. Et il était jaloux parce qu'il y avait beaucoup de garçons. Le soleil est parti. Je crois que c'est retire le truc. Non, laisse-le. Ok. On aimerait bien partir en vacances, mais le problème... Je ne tiens pas. Ça coûte cher de partir en vacances. L'année prochaine, on ira au ski. Allez, vas-y. Bah ouais, pourquoi pas. C'est une bonne idée. Hein. Question suivante. Qui a dit je t'aime en premier et où? Écoute, honnêtement, ça je me rappelle plus. Ça, je pense que c'est toi qui m'as dit je t'aime. T'es pas sérieux? Non, c'est un gros mytho. C'est toi qui m'as dit je t'aime, non? C'est toi. Moi, c'est toi qui m'as dit je t'aime en premier. Et on était où? On était chez ma mère. Ouais. Lui m'a dit je t'aime direct, comme ça, lui il est con. Il me dit tout direct, il s'est mis avec moi, il me disait même avant d'être avec moi, je t'aime. Genre, il y a même plus de sens à son je t'aime. Je t'aime, moi non plus. Lui me disait je t'aime, je disais rien du tout. Il me disait mais moi je t'aime aussi. Mais je lui disais ben non, je te dirais je t'aime quand je t'aimerai. Et aujourd'hui? Je t'aime. Ah bébé, t'as le labello, je ne supporte pas. C'est pas du labello déjà, c'est un rouge à lèvres. Mais... Les autres filles, je les ai embrassées, mais je n'aime pas. Je m'en fous des autres filles. Ça va, wow. Alors, vous allez au restaurant, comment va-t-elle s'habiller? Gars, pantoufles, salopette. Non, je le vois bien en cendrillon. Tu t'habilles classe. Voilà. Ouais, mais... Voilà. Classe. Parce que je suis une femme classe. Ok, merci. Donc, elle ne s'habille que très rarement en classe. Quoi? Parce qu'on va rarement au restaurant. Ouais, j'avoue. Allez, vas-y. On va quand même dans les pita. Ouais, voilà, j'allais dire, on va plutôt dans les pita. Dans les kebabs. Ah. Ouais, kebab. Quelle est la nourriture que je n'aime pas? Le poisson. Ouais. Les patates. Oui, je déteste les pommes de terre, c'est dégueulasse. Bah, ça pue, c'est tout mou, c'est dégueulasse, la bouche. Ouais, mais des frites, t'en manges, c'est des patates. Mais des frites, c'est bon parce que c'est fait à la friteuse, c'est croustillant, tu vois. Ouais, c'est croustillant. Si tu fais des pommes de terre, des frites toi-même, que tu fais avec des vraies pommes de terre, j'aime pas. Si c'est des frites au sachet, j'adore. Mm-hmm. Avec de la mayonnaise de Dior. Et du sel. Vas-y. Moi, j'adore aussi un aliment que t'aimes pas. Vas-y, moi, dis ce que j'aime pas. Si c'est pas, hein. Ah. Toi, t'aimes pas... Mais moi, je te connais. Moi, je te connais par cœur. Je te connais comme si je t'avais chié. Mais qu'est-ce que tu connais comme si je m'avais chié, déjà? Non, je réponds pas. Mais non, va te faire foutre. Vas-y, allez, vas-y. Dis-moi pose des questions. Qu'est-ce que je sais, ce que j'aime pas manger? Bon, dans la nourriture, j'aime quasi tout. Bah, en fait, moi, je sais bien ce qu'il aime pas manger. En fait, il aime tout. Donc, voilà, c'est facile. Ouais. Vas-y. Question, là. De quelle couleur sont mes yeux? Des fois un peu vert, des fois. Et sinon? Un brun. Oui. Mais c'est parce qu'il faut que j'aille au solarium, mais je te fais tout blanc. Regarde, moi je suis toute blanche à côté non, de toi. Non, mais je dois attraper une sale gueule, je sais. Il faut que je change. C'est déjà vieux. Ta gueule, je dis à vieux. Alors, quelles sont ses musiques favorites? Jules César. Dajou. Il y a Dajou, il y a Dajou. Fiona, ma reine, la fée, Shrek. Truc, allez, comment ça s'appelle Céline Dion, Céline Bidon. C'est vrai, j'aime bien Céline Dion. Céline Bidon. Il y a, je crois que c'est tout. Hein. En fait, j'aime bien ouais, t'en as quand même beaucoup. Hein. Toi, t'aimes bien que les vieilles musiques, toi, années 80.
Bah, années 80, c'est la base. Et t'aimes bien la musique que... Comment ça s'appelle? C'est que t'écoutes la house là? Non, ça s'appelle comment? Tu vois que tu mets tout le temps, quand on doit sortir, à chaque fois tu mets de la musique la même. Années 80. Mais remix. Ouais, remix. Ah ouais. Mais C'est c'est du la vent. basse. C'est la basse. Mais c'est la basse. C'est la basse. La base. La basse. Qui est ma meilleure amie? Ben, il y a Charlotte déjà d'office et il y a Lily. Mais ça fait longtemps que je les ai Ça fait plus vues. longtemps que tu les as plus vues, donc bon, à l'occasion, ben, passer, la voir, me voir. Oui. Toi, ton meilleur ami, c'est Christophe Mignolet. Et ouais, Christophe et Roselyne Rizzo. Roselyne, voilà. Ouais. Et Delphine. Bon, alors là, C'était ta avant, meilleure ouais, amie. avant, ouais, mais bon. Quels sont nos points en commun? Nos points en commun. En fait, on en a beaucoup sans en avoir du tout. En fait, on a les mêmes goûts vestimentaires, par exemple. Genre, lui, moi, je lui montre un habit, il aime bien aussi. Si, c'est vrai. Ouais, c'est bien. Aussi, alors, lui, il me montre, par exemple, un vêtement. Mais j'aime bien, on a les mêmes goûts vestimentaires. Bébé! Oui, je sais, mais c'est parce que j'ai quand même le droit de rigoler. On a le droit de s'exprimer dans un pays libre. On aime la même nourriture. Ouais. Ah ouais, ça c'est vrai. J'adore le poisson, toi aussi. À part le poisson. Les patates, toi Non, mais aussi. aussi. Ok, c'est Ça bon. va, je rigole. Alors là, je la fais pas, je me lève tout de suite. Bah, lève-toi. Lève-toi et marche. Non! Ne me casse pas les couilles, alors. Oh, dis nos points en commun. Nos points communs, il n'y en a pas. Tu commences à me casser les couilles déjà, là. Si, on a. Ok. Bon, ok. Moi et Raphaël, c'est terminé. Cette vidéo s'arrête là. On se quitte et voilà. Parce qu'on n'a pas de points en commun. On n'a rien en commun. Et c'est tout. Ciao! Allez, vas-y. Mais dis des points en commun. Mais des points en commun, on en a plein. Mais dis quoi, par exemple? On s'habille pareil, on rigole pareil, On a le même humour tous on a les le même deux. humour, voilà, il y a Surtout plein de moi points plus en que commun. toi. Oui, voilà. Je t'aime, des casse-couilles. Le gloss, je supporte pas. C'est pas du gloss. Du vernis. Du rouge à lèvres. Peu importe, allez. Que peut-elle faire pendant des heures? Toi? Ouais. Être sur ce GSM. Pendant 2 heures, sur ton Et toi, GSM. c'est ton ordinateur. Ben, toi, c'est le GSM. Moi, c'est l'ordinateur. Je fais rien de mal en même temps. Et je regarde des films. Qu'est-ce que je fais de mal? Même quand je regarde des films, t'as cours à cours. Bébé, on regarde un film. Tu sais, Tu vis à côté de quand j'ai vu. moi. Il y a autre chose que je peux faire pendant des heures. Dormir. Non, mais non. Faire des câlins. Non, non. C'est pas pour moi. Pas pour moi. Mais non. Te maquiller, ouais, super, Voilà! ouais, te maquiller, ouais, ça, ouais. Je me maquille tout le temps, pendant des heures. Quels sont ses programmes TV préférés? À toi? Bah, en fait, on regarde pas la The télé. Spirit of Vice, Vampire Lass, la machin, Rien à Prison voir. Break. Un programme télé Ah, déjà. des programmes télé? Non, on regarde pas la télé, on n'a pas la télé, j'ai dit la dernière fois. On n'a pas la télé, tu te Ben, rappelles? on a... attends, tu rigoles quoi? Si, on a une Ça grosse coûte une. télé. Chut, t'as vu combien ça coûte une télé? On a une grosse télé, elle fait 2,50 m. Ouais, t'as raison, trop moche. Non, mais, regarde jamais la télé. Ou sinon, ben, moi j'aime bien Nickelodeon, Disney Channel. Ouais, moi, Bob l'éponge. Bob l'éponge, la Bob vie. l'éponge, c'est mon Ah, idole. tu vois le point commun, on aime trop Bob l'éponge. Ouais, je ne regarde plus, mais j'adore Bob l'éponge. C'est mon truc préféré, Bob l'éponge. Avec Patrick. En fait, toi, c'est Patrick. Toi, t'es Patrick. Moi, je suis Bob, toi, t'es Patrick. Et Ferdi, c'est Carlo le calamar. Ouais, Il Ferdi, c'est Carlo le calamar, ouais. est chiant. Quel est mon pire défaut? En fait. Mais ça, on l'a déjà dit, ça c'est râleuse, tu râles, Mais moi, ça. j'ai pas de défaut. Mais tu t'as pas de défaut, tu râles tout le temps. Ok. T'es susceptible. Mais le même pas, je m'en fous, Ah, t'es je suis susceptible. susceptible. Plus. Moi, je peux dire tes défauts. Je suis en couleur, vas-y, dis. Alors, il y a vraiment un paquet. Lui, il a pas de qualité, il a que des défauts. Oh putain. Non, alors. Tes défauts. T'es chiant. Tu râles tout le temps. Non, je râle T'es un pas. connard, tu fais jamais le ménage. T'es susceptible plus que moi déjà. Non, Ok? non, 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 je suis pas susceptible. Toi, il te faut tout tout de suite. Ou sinon tu râles. Tu ranges jamais tes affaires. Si. Non. Si, je range. Oui, c'est des chaussures. Tes chaussures ne sont jamais rangées à leur place. C'est des petits trucs. Ça, je te jure, tu mets. C'est fini, toi et moi. Pourquoi? Tu mets pas ça. Je te jure, tu mets pas ça. Hey, je te Ok. jure, tu mets pas ça. Non, je rigole pas, tu mets pas ça. Ok, ça va, je mets pas ça. Tout le temps, il s'énerve sur moi, tout le temps pour rien. Moi, je m'énerve Il sur faut toi. toujours que... Quand il fait quelque chose, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est Moi, je jamais de sa m'énerve sur faute. toi. Ouais. Tu mens là. Moi, je m'énerve sur toi. Non, ça, je suis pas d'accord. Moi, je m'énerve sur toi. Oui. Quoi donc? Par exemple, tu fais tomber ton café, tu m'engueules, c'est moi qui dois essuyer. Mais c'est normal, t'as dit. T'as dit, ouais, tu t'es énervé, t'as lancé la tasse. J'ai pas lancé la tasse. T'as dit que j'avais lancé la tasse. La dernière fois, la tasse, elle allait tomber. Ouais, mais je l'ai Ah renversé, mais ben j'ai pas c'est... fait exprès. Bon, bref.
Putain. Regarde ton défaut, t'as vu, tu me cries dessus. Oui, parce que ça m'énerve, parce que t'as bien vu que la tasse, je l'ai pas fait. Voilà, il est tout pas... le temps énervé. La tasse, elle est tombée, j'ai fait ça, la tasse, elle est tombée, tu l'as vu ou pas? Elle était mise oui. sur le truc. Et j'ai oui. vu qu'il est pas café maintenant. Ben oui, mais ça m'énerve. Ah. Ça m'énerve, toi. Alors, il n'est jamais de bonne humeur. Pardon. Il est toujours de mauvaise humeur. Il peut rigoler, il peut me faire des blagues. Je dois rigoler, mais si moi je fais des blagues un peu pic-pic, tu vois, que je le pique un peu, alors là ça ne va plus. Hein. À la orale. Hein. Moi je suis piqué. Ouais. Bah tu peux me piquer tant que tu veux, y a pas de problème. Moi je laisse parler, moi les innocents les laissent parler. Allez, allez, dépêche-toi, ferme ta gueule. Bon, bref, il a un paquet de défauts. Surtout, il est égoïste. Enfin, non, il pense non, qu'à sa personne. Moi je suis égoïste. Oui, tu penses qu'à toi. Que à toi, tu écoutes pas les gens qui te parlent, tu écoutes que toi. Tu crois toujours que t'as raison alors que t'as toujours tort, que c'est toujours moi qui a raison. La plupart du temps, j'ai raison, non, excuse-moi. Non. 9 fois sur 10, j'ai raison. Hein? Tout ce que je t'ai dit. C'est moi qui ai dit. Dis la vérité, dis la vérité. Tout ce que je t'ai dit qui allait se passer, ça s'est passé ou pas? Et moi? Et moi, tout ce que j'ai dit. Tu peux pas avoir raison, mais. Et moi? Oui. Toi, t'écoutes que toi. Tu veux que non, toi. Ben et si. Moi, est-ce que j'ai pas toujours raison? Ouais, ça va. La question suivante, c'est quoi? Ok, question suivante. Oh! Putain. Que ne voudrais-tu pas qu'il m'arrive? Ben qu'il t'arrive un accident ou quoi, je veux pas qu'il t'arrive ça. Oh, non. Ben ouais, ben c'est logique. Ouais, mais le gloss, s'il vous plaît. Je fais doucement. Même si je fais doucement, ça glosse quand même. Mais si je veux pas qu'il t'arrive un accident. Ouais, mais bon, touche ma tête, qu'il n'arrive pas. Vas-y, tu touches ma tête, tu me mets le gilet dans la gueule. Moi aussi, je touche ma tête. Allez, vas-y. Question suivante. Quel est mon rêve? Posséder des chevaux. Adieu. Être heureuse, ouais. Être comprise. Ouais. Être riche, surtout. Être riche. La richesse, amenez-moi de l'argent, la richesse, s'il vous plaît. Ça n'apporte rien, la richesse. Si. Moi, je veux être riche. Donc, faites des partenariats avec moi, s'il vous plaît. Donnez-moi de l'argent. Merci beaucoup, à l'avance, et je vous aime. Quelle est ma plus grande qualité? Ta plus grande qualité? Ça, t'en as plein aussi des qualités. Ben écoute... Bah écoute, t'as pas de qualité en fait. Le ménage, ça va? Non, je rigole. Mais ça va, le ménage, ça va, t'as qualité quand même. Non, ta qualité? Ta qualité? Mais c'est bon. J'ai pas de qualité. Mais c'est ta qualité. Je suis une merde. Non, ta qualité, c'est que. Je sais pas si c'est une qualité, mais t'as besoin de beaucoup d'amour et de beaucoup d'attention, affection, tout ça. Je sais pas si c'est une qualité, mais. C'est pas une qualité. Je sais pas si c'est une qualité, tu vois. Plutôt une qualité, c'est je suis belle, j'ai de l'humour, je suis trop marrante, je suis tout le temps de bonne humeur. En gros, j'ai pas de qualité, merci mon amour, moi aussi je mais t'aime. Si t'as des qualités, t'as des qualités. Déjà, toi, t'es de qualité. Oh, merci. T'as vu, je me suis bien rattrapé. Moi, tu veux que je te dise tes qualités? Non, dis pas parce que ça va être. Non, non. Ah, vas-y. Ta première qualité, c'est la. Ben, c'est de la meilleure qualité. Pas pour moi, mais. Que t'as chez toi. C'est que t'es le meilleur papa du monde. Ah, ça, ouais, ça. Déjà. Parce que. Tu t'occupes très 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 bien de ta fille. Et si je pouvais l'être encore plus? Ouais. Je le ferais sans. Donc ça c'est ta première qualité, c'est que t'es le meilleur papa du monde. Merci. Ta deuxième qualité, ton humour. Parce que t'es trop marrant. C'est vrai. C'est grâce à ça que tu m'as peut-être séduite à mon avis. Parce que... C'est normal, c'est l'humour, ça fait tout. Hein. Ça fait tout, ouais. Mais de temps en temps il faut être sérieux, de temps en temps il faut être... Mais toi t'es jamais sérieux. Bah, c'est parce que t'as dit tantôt, t'as dit que je râlais tout le temps tantôt. Ah, si c'est pas ce que tu dis. Alors, troisième qualité, il fait bien à manger. Oh, je vous jure. Quatrième qualité. Ta gueule. Ouais, non, efface ça. Je mettrai un petit bip. Il est beau, c'est aussi une qualité. Non, ça va, ouais, mais je m'entretiens plus. Je fais plus de solarium, je fais plus de coloration, je fais plus de sport. T'as pas besoin de faire du solarium, t'es brun. T'as pas besoin de faire de coloration, t'as les cheveux noirs. Eps. Ah, pardon. Regarde déjà. Ah, par contre, tes défauts, je voulais dire superficiel. Non, je suis pas superficiel. Un petit peu. Narcissique. Non, du tout. Moi, je le suis, j'assume. Moi, je suis narcissique. Ouais, superficiel. Mais j'ai. Mais toi j'ai... aussi. Un petit peu. T'es un comme ton peu. Cousin Rémi. Si tu passes par là, Rémi, t'es narcissique aussi. Mais toi, t'es narcissique et superficiel. Je m'appelle Rémi, je suis sa famille et je me balade. Et ça va plus. Ça m'a l'air d'être une vraie famille. Là, je rigole. Bon. Cousin. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait mes vidéos, mais bon. Si jamais. Il y en a en même temps. On est compatible. Bon, les gars, la vidéo s'arrête ici. Bon, les gars, la vidéo s'arrête ici. Ah oui, je voulais vous dire aussi. Parce qu'on devait normalement faire une vidéo quand je maquille Raphaël en femme.
Le problème, c'est, le problème, c'est que monsieur ne veut pas raser sa barre. Donc quand il décidera à raser sa barre... Je le maquillerai en femme. Je suis con. Je suis une merde. Oui, j'ai rajouté, je suis une grosse merde. J'aime ma femme plus que tout au monde. C'est la meilleure femme de ma vie. Non, c'est ma fille d'abord. Mais toi, t'es la deuxième. T'es la meilleure femme de ma vie. C'est pas une femme, c'est une fille. Moi, je suis la femme. Ouais, mais. C'est la meilleure fille de ta vie, moi, je suis la meilleure femme. La meilleure fille, ouais. Je me suis compris moi-même. Oh. Ça va? Cette vidéo s'arrête là. Ouais. On vous fait des gros bisous. J'espère que. Vous aura plu. Mais à la base, il y avait le soleil. Du coup, on a dû mettre un essuie. C'est pour ça qu'on ne voit pas bien. Parce que sinon, c'était comme ça. Je peux l'enlever maintenant. Non. Tu sais, tu peux. Je vais chanter. Hein? Ouais, non, tire pas dessus. Attends, fais des conneries. Oh, putain de sa mère. Oh là là. Donc, sinon, avec le soleil, c'était. Au soleil. On est vraiment très mal mis. Donc, on vous fait des gros bisous et on vous dit. Je passe ma manicure. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Vous voyez, là. À la prochaine. Ah merde, il faut que j'en mette l'essuie. Allah, pêche au moule. Je voulais faire des photos vite fait pour faire. Tu veux faire des photos?